La vache, plus ça va et plus je kiffe. Salut, c'est Motor Seb et aujourd'hui, on continue l'entraînement de drift. On se retrouve sur le circuit Sunrise, autrement appelé Tsukuruma. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien en description puisque vous avez été nombreux la dernière fois à me demander le nom du circuit sur lequel j'évoluais dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, pour rappel, c'était le Drift Playground 2021. Donc ici, sur le circuit de Tsukuruma, un circuit que j'avais découvert il y a un petit moment de ça, mais que j'avais pas beaucoup pratiqué, donc que je connais assez peu, mais qui est vraiment super bien pour de l'entraînement. Et donc, pour le coup, je me fais plaisir ici sur ce circuit. C'est un circuit qui est plutôt lent, assez étroit, et vraiment très très bon pour l'entraînement. Donc il y a une deuxième piste sur ce circuit, beaucoup plus étroite encore, donc vraiment vraiment très très bien pour travailler la précision. Je m'y mettrai un petit peu plus tard quand j'aurai gagné déjà un petit peu plus de précision sur ce type de circuit qui est déjà pas mal étroit pour moi. J'ai essayé l'autre circuit, mais vraiment c'est hyper gratiné, surtout avec une voiture de cette puissance. Peut-être qu'avec la BM ça passerait un petit peu mieux. Donc eh ben, dans l'ensemble ça va quand même vachement mieux. J'ai encore, comme vous pouvez le voir ici, des déclenchements un petit peu tardifs, c'est le cas de le dire. Mais vraiment, comme je le disais en tout début de vidéo, plus ça va et plus je m'éclate. Vraiment, c'est un pur régal. Et cette voiture, elle est vraiment très très bien. En même temps, j'en ai pas essayé 36 000. Donc, peut-être à voir avec d'autres voitures. J'avais essayé la BM de la même série, donc c'était une M2 je crois. Et j'avais énormément de mal à contrôler, était beaucoup trop péchu pour moi, etc. Et puis c'était un paquebot aussi. Alors qu'ici, la 180 SX est quand même beaucoup plus compacte et beaucoup plus facile à récupérer. Donc ce circuit, il y a plusieurs tracés possibles. Comme vous avez peut-être pu le voir, notamment à l'issue de ce S, vous avez ici la possibilité de prendre un petit raccourci si vous voulez encore plus serrer le virage. J'ai essayé mais j'ai eu des problèmes. Ici, je me foire. C'est des choses qui arrivent encore assez souvent. Assez souvent. Mais ça va quand même de mieux en mieux. Alors bien entendu, la prochaine fois, on essaiera encore un nouveau circuit. Je vous ferai encore découvrir un nouveau circuit de drift que vous connaissez peut-être ou que vous connaissez peut-être pas. On verra bien. Je vous garde la surprise du prochain circuit. Donc on se retrouvera samedi prochain. Puisque ouais, c'est bien le samedi pour du drift. Vous en pensez quoi? Donc on se retrouvera samedi prochain sur un autre circuit que j'aime beaucoup, que j'avais déjà essayé dans mes entraînements précédents. Et on va voir comment j'arrive à évoluer avec cette voiture, puisque je ne l'avais pas essayé avec cette voiture, je l'avais essayé avec la BMW. Et je m'en sortais pas trop mal, mais j'ai quand même pas mal progressé depuis. Je vous parle de ça, c'était il y a quand même plusieurs mois, voire il y a plus d'un an. En tout cas, eh bien, je vais vous laisser profiter de ces quelques images. Je vais vous laisser profiter aussi de mes petites sorties de piste, parce qu'il y en a encore. Je vous ai mis le montage brut de fonderie, j'ai pas coupé mes conneries. Comme ça, vous pourrez me donner vos conseils si vous en avez. N'hésitez pas surtout à me partager tout ça en commentaire. N'oubliez pas bien entendu, si le contenu vous plaît, de vous abonner, d'activer la cloche, le petit like de l'amour qui fait super plaisir. Demain, c'est dimanche, donc demain, c'est jour de news, les news du Sim Racing. J'espère que je vous verrai nombreux sur cette prochaine vidéo. Et bien justement, d'ici cette prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route. Et bien entendu, soyez sages au volant. Kielavo !